une femme en larmes, une pauvresse de détresse, une pauvresse en détresse, une espèce de mendiante de pitié. Depuis qu'il avait commencé d'accomplir sa mission, depuis 3 jours, elle suivait, elle suivait, elle pleurait. Elle pleurait sous un grand voile de lin, un grand voile bleu, un peu passé. Voilà ce qu'il avait fait de sa mère. Elle pleurait comme jamais il ne sera donné, comme jamais il ne sera demandé à aucune femme de pleurer sur terre. Éternellement, jamais, à aucune femme. Voilà ce qu'il avait fait de sa mère, d'une mère maternelle. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que tout le monde la respectait. Les gens respectent beaucoup les parents des condamnés. Ils disaient même « la pauvre femme » et en même temps ils tapaient sur son fils. Parce que l'homme est comme ça. L'homme est ainsi fait. Le monde est comme ça. Elle suivait, elle pleurait. Tout le monde la respectait, tout le monde la plaignait. On disait « la pauvre femme ». C'est que tous ces gens n'étaient peut-être pas méchants. Ils n'étaient pas méchants au fond. Ce qui est curieux, c'est que tout le monde la respectait, honorait, respectait, admirait sa douleur. On ne l'écartait, on ne la repoussait que modérément, avec des attentions particulières. Parce qu'elle était la mère du condamné. On le disait à voix basse, on se le disait entre soi, avec une secrète admiration. Elle suivait, elle pleurait. Ses yeux étaient si brouillés que la lumière du jour ne lui paraîtrait jamais claire, plus jamais. Depuis 3 jours, les gens disaient, elle a vieilli de 10 ans. Je l'ai encore vue, je l'avais encore vue la semaine dernière. En 3 jours, elle a vieilli de 10 ans. Elle pleurait. Depuis 3 jours, elle pleurait. Non, depuis 2 jours seulement. Non, depuis la veille seulement. Il avait été arrêté la veille au soir seulement. Elle se rappelait bien, ainsi. Comme le temps passe vite, non, lentement, comme il passe lentement. Elle croyait qu'il y avait 3 jours. Comme on se trompe. Il avait été arrêté la veille, au jardin des Oliviers. Elle se rappelait bien. Elle se rappelait très bien, mais il lui semblait, elle croyait qu'il y avait 3 jours, au moins, et même plus, beaucoup plus, des jours, et des années. Il lui semblait qu'il y avait presque toujours, il lui semblait que ça avait été comme ça, toujours. Il y a dans la vie des moments comme ça. Seulement elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait pour aujourd'hui et pour demain, mais pour tout son avenir, pour toute sa vie à venir. Mais elle pleurait aussi, elle pleurait pour son passé, pour tous les jours où elle avait été heureuse dans son passé, pour effacer ses jours de bonheur, ses anciens jours de bonheur. Parce que ces jours l'avaient trompé, ces jours trompeurs, ces jours l'avaient trahi, ces anciens jours, ces jours où elle aurait dû pleurer d'avance, par provision. Il faudrait toujours pleurer par provision, en avance des jours à venir. Si elle avait su, si elle avait su, elle aurait pleuré. Toujours.
pleurer toute sa vie, pleurer d'avance. Elle se serait méfiée, elle n'aurait pas été trompée, elle n'aurait pas été trahie.